Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, les gars, vidéo dégustation de ce que j'ai reçu, les amis. Donc voilà, donc, j'ai reçu, je sais pas pourquoi, j'ai reçu ceci. Voilà. Enfin, alors, il n'y a pas d'information sur la poche. Donc voilà ce que j'ai reçu, les amis. Et je me suis dit, pourquoi pas faire... quelques petites dégustations. Alors regardez un petit peu l'intérieur. Je vais vous montrer. J'ai pas envie de tout faire bouletter, mais voilà, il y a des trucs et ça a l'air très bon. Moi j'aime bien tout ce qui est voilà. En plus c'est spécial pack voilà. Donc c'est parti les amis, on va sortir du coup un paquet de la boîte, enfin de la poche tout simplement. Et on a des œufs confiseurs. J'ai jamais entendu parler. Donc follement bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme goût? Donc voici du coup la boîte de plus près un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Sucre, sirop de glucose, nanana. Moi je veux voir les goûts en fait. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs comme on peut le constater juste ici. Donc je vais goûter un de toutes les couleurs les amis. Écoutez, c'est parti, tout simplement, let's go, pour ouvrir, hop, la boîte. Ah, mais c'est un acte coloré, regardez ça les amis, oh là 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 là, ça a l'air très bon. Donc ne vous fiez pas à ma main les gars, ceci, c'est très ignoble, je suis tombée en vélo, voilà. Je vous raconterai ça en story time si vous voulez. Donc voici, du coup, ce que je vais goûter actuellement les amis. C'est parti, 3, j'essaie du coup de deviner le goût, puisque... Ce n'est pas noté sur la boîte, il n'y a pas d'indice, etc. Donc c'est parti. Let's go. Je crois que c'est à la poire. Oh, c'est trop bon. Les gars, c'est... Putain, c'est trop bon. Oh là là, c'est super bon les gars. Oh là là, oh my god. Eh, je vous conseille de les acheter. C'est super bon les gars. Mais waouh, j'ai jamais goûté un truc aussi bon que ça les amis. Bon allez, pour la peine, je regoute un verre les gars, tellement c'est bon. Franchement, je vous le conseille à 100% de l'acheter les gars. C'est ultra bon, puis ça coûte rien je pense. C'est trop bon. Les gars. Les verres, bon, c'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est l'un des meilleurs en tout cas. Enfin, ils sont tous bons, je suppose, les gars. Donc là, on va passer au suivant. Quelle couleur je pourrais choisir? Le suivant, moi je dirais peut-être le blanc. Le blanc, c'est possible que ce soit tutti frutti. Voilà, les amis, la couleur avec des petits points roses au milieu. On va voir. Que ça donne. C'est parti. Celui-là, il a plus le goût de grenadine. Je sais pas comment ça peut me paraître, mais ça, il a plus le goût de grenadine, les gars. Attendez, genre goûte un pour voir. Genre goûte un, juste pour voir. Ouais, très bon. Franchement, les gars, on va passer au suivant. Oh là, lui il a une forme assez bizarre, les amis. Mais bon, on va passer au suivant, les gars. Putain, c'est trop bon. Donc, on va goûter celui-ci, la rose. Je sais pas si on a déjà goûté. Non, on a fait vert et blanc. Donc, c'est parti, les gars. On va vraiment goûter un rose. Let's go. J'aimerais bien voir l'intérieur si c'est rose ou noir. Ah c'est. Ah l'intérieur il est blanc. Blanc transparent. On essaie de deviner le goût. C'est fraise. Clairement c'est fraise. Je reprends des roses. Tellement c'est bon. Et à la fin les gars. Je vais prendre une grosse poignée de toutes les couleurs. J'espère ne pas tomber malade, mais en vrai, je pense pas.
Non, je pense pas. Je pense pas, les gars. Donc, allez, c'est parti, on va goûter un pot suivant. Un jaune, je pense que c'est la dernière couleur. Ouais, le jaune, ce sera la dernière couleur. Après, on passera aux autres trucs qu'il y a dans la poche, les gars. Donc, regardez, c'est des petits œufs comme ça. Donc, ça, je pense que c'est chocolat, mais bon, sans hésitation, on verra bien la couleur. C'est parti, les amis, je goûte un jaune. C'est possible que ce soit citron, les gars. C'est possible. On va goûter. C'est sucré. Ça a le goût un petit peu de... des trucs, là... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'en avais, les gars, dans la vidéo du ski. J'en avais. Ça a le goût de complètement de ça. Mais vraiment, c'est trop bon. Les gars, je regoute des jaunes. Tellement c'est bon, regardez-moi ça. Du coup, je vais essayer de voir les goûts. Je vais essayer de lire. Il y a de la pomme. De la cire d'abeille. Oh. Il y a bien. Ouais, il y a du sirop. De glucose, bien sûr. Ouais. Donc, les gars, c'est parti. Ça, je pense que la grosse poignée, on la fera à la fin de la vidéo, les gars. Allez, hop, là, moi, je suis chaud, la grosse poignée, on va faire à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va déguster ces petits œufs, là, qu'il y a là-dedans. C'est parti. Let's go. Alors, hop. Les gars, on va voir la couleur. Donc, vous allez voir la couleur en avant-première. Oh, je sais pas, les gars. Voilà. 3, 2, 1. Ah bon, bah, c'est chocolat, hein, bien sûr. Et oui, les amis, on change pas une équipe qui perd ou je sais pas quoi, qui gagne. Oubliez ce que j'ai dit tout de suite. Très bon. Très bien, très bon. C'est très cool. Les gars, c'est... Donc regardez les trucs, c'est très cool, c'est très bon, c'est bien quoi. Attends, je savais pas que ce serait aussi bon. C'est très goût, punaise. Voilà, je reprends les gars et après on passe à la grosse poignée. Je sais pas ce que ça va faire, les deux goûts, des trucs en même temps. Les gars, je viens d'avoir une petite idée là, il y a un instant. Si on prenait un truc comme ça, on l'ouvrait, comme ça, donc je fais un trou dedans, et, comme ça, et on rajoute des petits trucs comme ça dedans, pourquoi pas. Allez hop, j'essaye de mettre de différentes couleurs, c'est parti, punaise. Allez, on va goûter ça, les gars. Et je vous donne mon avis dans quelques instants. Oh, punaise. Oh, mais c'est trop bon, les gars. Je vous le conseille à 100%. Vraiment. Bon. Je vais finir ma bouchée. Et on se retrouve pour la suite, les gars. Mais là, c'est méga bon, par contre. Je vous le conseille à 100%. Je vous conseille ça, puis les autres trucs. Mais bon, je sais pas d'où ça sort, les autres trucs. Donc ça, on sait que ça sort de Japco. Donc c'est à Paris. Vu que la majorité des personnes qui regardent la vidéo habitent à Paris. Donc là, il y a la Tour Eiffel, je me doute bien que c'est à Paris. Même si j'habite pas à Paris. Bon, on se retrouve juste après, les gars. Ok, les amis, on se retrouve pour, du coup, la grosse poignée, comme je disais. Oh là 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 là, oh my god. Je vais essayer de prendre des différentes couleurs. Donc, un jaune, un rose. Un jaune, un rose, un vert, un blanc. Oh, il y en a qui tombent par terre. Oh, oignon. C'est pas bon pour la santé. Oh, punaise, il y a tout qui tombe, les gars. Oh, il y a tout qui tombe sur mon accoudoir. Qu'est-ce que je dis, moi? J'ai pas d'accoudoir. Donc, on a trois verts. Non, 4 verts, plus un petit peu 4 roses, les gars. Je sais d'en mettre 4 roses, avec 4 blancs et
3 jaunes. Comme ça, on en a de toutes les couleurs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Les gars, regardez ce que je vais engloutir. J'arrive pas trop à vous montrer, mais voilà, vous voyez bien. Je vais engloutir ceci dans quelques instants. Oh non, il y en a qui est tombé. Bon, c'est pas grave, j'en remets un de ma propre main. C'est parti, les amis. Je suis pas coiffé. Sinon. Très bon. C'est très bon, les gars. En tout cas, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo. Voilà. C'était splendide. Même si j'en ai fait tomber quelques-uns par terre, ici, y compris ici. Donc c'est pas bien grave, hein. On est dans mon studio, donc c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé du très bon moment en visionnant cette petite dégustation, tout simplement. En tout cas, c'était très cool. Et puis moi, je vous propose de refaire ça dès que je vais recevoir d'autres trucs, les gars. Peut-être la semaine prochaine, du coup. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!